Deltizan ! Ça équivaut au World Premier. Putain, les gars, enfin ! Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut maintenant. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Ah ouais, il. Stop ! Ne bouge plus. Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Amy, c'est quoi tout ça ? Elle l'a probablement emmené dans la mine. J'étais là-bas. C'était horrible. Il y a eu un éboulement dans les années 50. Des mineurs ont été piégés en bas. Em, c'est quoi ? Hein ? Ici, c'est notre abri, M. Pitié. Merde, j'y arrive pas. Oh, putain. Tu as fait le bon choix. Garde un œil sur elle. Je vais vite revenir. Chapitre 9, le désespoir. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon ! N'oubliez pas de me dire quand il y a un Jason Statham. Oui, c'est plus Chris Statham. Non, c'était quoi, Matthew Statham? Je sais plus ce qu'on disait. On est parti pour la suite, les amis. Le désespoir. On aime l'espoir, on aime le désespoir. Parce que tout cela nous réunit finalement. Et quand il n'y a plus d'espoir, il y a le désespoir. Et quand il y a le désespoir, il y a toujours de l'espoir. Et ça, c'est beau. Michael Statham, merci. Merci le chat de suivre. Vous êtes exceptionnel, ne l'oubliez jamais. À part une ou deux personnes dans le chat, mais bon. Je ne citerai pas leur blaze. Ok, c'est une belle pièce. Je ne me souviens pas du tout de ce type de pièce. Ok. Pour l'instant, il n'y a eu toujours aucun décès, hein. On dirait, les gars, on dirait pas le manoir de Resident Evil. En vrai, un petit peu. Juste les escaliers. Alors. Ouais, mais ça, on avait déjà fait tout le tour, je crois. Attendez. Ok, effectivement on avait déjà tout checké ici. Bon, c'est là où on rentre dans le bif. Je rappelle que là, à n'importe quel moment, un personnage peut mourir. Et on veut éviter ça, s'il vous plaît. Donc be careful. Putain de merde. Ok. Où sont passés les loups? Attends, il y a un truc, j'ai pas tilté là. On regarde quoi, frère? Ça n'a aucun sens. Oh là là, le petit loup qui dit je suis là, bien joué mon ref. T'en perds pas une toi, hein? Ça, on avait déjà vu. Le petit loup, il a attendu ce moment depuis sa naissance, hein, faut le savoir. Il a attendu que quelqu'un fasse le let's play sur ce jeu. Ah, ok. Il y a quelqu'un ? Excusez-moi. Oh, Michael Statham. Let's go. Attends, quoi ? Ah, ça, c'est dangereux, ça. Bah ouais, merci de m'avoir prévenu que c'était dangereux. Bon les gars, se faire gifler le visage, c'est dangereux, d'accord ?
j'ai pas la ref. Adam White, Evelyn Daniels et Charles Miller. C'est pour dire qu'ils ont été grailles. Attends. Il y avait que ça à faire ici? Mais attendez, mais il y a moyen que je l'ai jamais fait en fait. Je l'avais pas fait ça sur YouTube. Je l'avais fait il y a 7 ans, les gars. Wouah, j'avais pas vu cette petite porte camouflée. Ok, c'est fermé. C'est la porte fermée à toutes les portes ouvertes. J'adore rire. Bon, bah là, il n'y a plus les loups. À part le petit loup dans le chat, t'inquiète, on sait que t'es là. Six tombes et le mec au lance-flamme a indiqué avoir tué 6 Wendigos. Ouais, mais les gars, il les a pas tués en 1952, wesh. Vous avez bien vu l'âge qu'il avait. Ça n'a pas de sens. Non, je pense que c'est les mineurs. Ok. Quelle enquête. Plus qu'une fourche et une foule en colère. Canoncier, mon pote. Canoncier dans le caleçon. Prêt à tout défourailler. Fais-moi un petit suçon. Quoi qu'il arrive, je vais t'en. Je vous laisse faire la suite. Alors. En boucané, bien sûr. C'était logique. Pouvait-on penser autre chose? Il n'y a plus la petite boîte. C'est fort dommage. Je vois pas où faut aller, là. Genre, on... Est-ce qu'on Brokeback Mountain? Ouais, j'avoue, on avait une lampe. Pourquoi on prend une torche? Attendez, mais ça n'a aucun sens. C'est totalement con. Ah non, peut-être pour les brûler, vu qu'ils aiment pas le feu. Voilà. Fusil à canoncier dans le gosier, à deux doigts de te sodomie. Je vous laisse faire la suite, évidemment. Dans l'arrière de la bichette. Je mets plein de coups de... À vous de faire la suite, évidemment. On est parti. Bonsoir, point faible. Content de me revoir, hein. Ok. J'espérais bien te retrouver. C'est bien. Brave bête. Allez, mon vieux. Tu viens avec moi. Ok. Voilà le plan. J'ai vu une carte de cet endroit. Donc, on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers l'aile psychiatrique qui nous emmènera hors de la mine. Tu pourras gérer ça? J'aurais pas pu dire mieux. T'es un bon gars. Ok. J'aimerais tellement avoir des loups, frère. Mais à tout moment, ils peuvent te grailler la gueule.
Non, le loup, il est là. Il a pas disparu, les gars. Il m'attend. C'est un vrai frère. Frère de loup. Le pacte des loups. Quelqu'un a vu le pacte des loups? Putain, quel film. Un classique. Que des classiques dans ma team. C'est pas vrai. Attends, mon bonhomme. Doucement. Oh là là, je me souviens tellement pas de ça. J'aimerais bien me faufiler comme toi. Je crois que je suis bloqué ici. Ok. N'oubliez pas que si on voit un Michaels, faut me le dire, les gars. Ok. Voyons voir. Génial. Très bien. On aurait pu rêver mieux. Faut rentrer le ventre. Il aurait pu l'ouvrir avant de mettre un bras dedans, mais bon. T'as vu? Moi aussi, je me débrouille. Pas vraiment grand. Ok. Les gars, le jeu, il y a tellement plus de pièces et tout que dans Zikwari. Vraiment, je ne comprends pas comment Zikwari, ils ont pu faire moins bien, hein, sincèrement. Hein. Pourtant, ils ont toutes les clés pour faire une tuerie. Hein. T'as compris, serial killer, tuerie. Ah oh, attendez, on va laisser le loup ici. À gauche, c'est les toilettes. Ok. Les patients ont été admis en premier lieu à l'établissement médical de Blackwood il y a 5 jours. Pendant ce temps, nous avons organisé un certain nombre de tests à la fois psychologiques et psychologiques. Les résultats ont été extraordinaires, au-delà des attentes médicales courantes. Symptômes observés, la pâleur, la dépigmentation de la peau, grave carence en vitamine D. Dysfonctionnement social, période de réadaptation aux événements post-traumatiques plus longs que la moyenne, ok, violence envers les aides-soignants, 3 tentatives d'agression, 1 tentative de griffure. Symptômes prévus mais non observés, malnutrition, scorbut, ok, au dos fragilité faiblesse, mesures proposées, d'accord. Merde, j'ai oublié de... Oh putain, j'ai oublié de tourner le truc. Il y a peut-être un secret. Hop, voilà, Omar m'a tué. Rapport initial, les patients ont été admis en premier lieu à l'établissement médical. Mais non, mais c'est la même chose. Foutez de ma gueule. D'accord. Eh ben, dis donc. J'aimerais pas être dans cette prison. Y a plus bel endroit pour rêver. Alors. Ah! Oh non! Bichette! Oh la saloperie! Oh non, c'est horrible! Je crois pas. Dans quel bordel je me suis fourré! Aïe, 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 aïe. Ces portes sont construites comme des tanks. Ils étaient cinglés à quel point? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est dingue. Laissez-nous sortir, nous mourrons de faim, de froid. Vous me le payerez, arrêtez immédiatement vos tests sur nous. Est embêtant. Ceci est très embêtant.
Je t'aime. Merci Trincali, c'est tellement mignon, des petits messages comme ça. Bon, vous sortez des je t'aime très rapidement quand même, mais ça fait plaisir. C'est tellement rare les gens qui disent je t'aime. D'habitude, c'est des gens qui viennent et qui disent « Ah, FDP !» Et je suis en mode « Comment ça ?» C'est pas gentil. Bon, après, je dis ça, mais il y en a très peu qui le font en vrai. J'ai cette chance d'avoir une communauté assez béton, si je puis me faire mettre. Certains diraient les meilleurs. Attendez, attendez, parce que là, il y a beaucoup de pièces. Le doute m'habite. Il y a beaucoup trop de pièces, là. Ok, c'est une petite expérience. C'est un prank. Pose bleue. Oh la vache! C'est donc ça Spider-Man? Ah, il y a un mini screamer même dans. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Ok. Tu l'as vu? De quoi j'ai loupé un truc là, les gars? Attendez, c'est quoi le clip? Tu l'as vu? Attendez, c'est quoi le clip, les gars? J'ai loupé quelque chose? J'ai loupé quoi? Un Wendigo qui se balade? Non mais attendez les gars, où ça? Ok, on va pas par là. Un Wendigo qui passait. Non mais le Wendigo qui passait dans le clip! On est d'accord, on parle de ça. Là on parle de ce qu'on voyait. Ah ouais? Attendez. Ah mais moi j'étais absorbé par la caméra les gars. On me propose une vidéo tard les fous en 180p. Attendez, putain la qualité de mes lives est quand même assez exceptionnelle. Ceci est très embêtant. Ah ouais, bien wesh, ouais. Ici là. Ok. Je t'aime, merci Trincali. Ouais mais les gars, ben moi on me dit je t'aime aussi, forcément ça fait diversion. Peut-être que ceux qui m'aiment ne sont que des Wendigo finalement. Ah oui. Pas simple à voir hein. Bien vu l'aveugle. Bah ouais l'amour rend aveugle. Oh qu'est-ce que c'est? Ok. Blackwood Pines, sanatorium de Blackwood. Confidentiel. Jour 4, dépigmentation épidermique. Attendu après le temps passé sous terre. Déviation sévère de la région thoracique. Jour 9, cyphose chronique. Alopécie cicatricielle. Perforation extrême de la cloison nasale. Dysphasie ectodermique. Jour 12, vous ressemblez à Louliane le matin. Putain, c'est incroyable. Effluvium télogène. Longueur des canines, 3,8 cm. C'est des belles canines. C'est des très belles canines. Laissez-moi vous... Je me permets, mais c'est des très belles canines. Cohérent avec l'œdème cornéen. Bah, franchement, honnêtement, pour ça, les gars, 2 mg d'encéphalamine, 3 mg d'épinéphrine.
c'est pas le pire, quoi. Attends. Les gars, il faut que je retourne au loup, faut que j'aille à là. Parce que le loup, il aboyait au bout du couloir. Est-ce que là, c'est une preuve? Parce qu'on dirait qu'il y a de la lumière, donc... Faut que je retourne au loup. Ouais, mais les gars, j'ai pas été voir le loup, hein. D'accord. Ok. C'est une belle preuve. In the eyes of an avenger. Oh la vache, le bruit. Et il fait peur, c'est quoi? Merde. C'est qui ce type? Salut, c'est moi, je t'attendais depuis 8 ans. Désolé, mon gars. À qui de droit? Voilà. Alors? Quelqu'un peut répondre à ça? Attendez, c'est parce que j'ai pas... Ils sont en train de mourir dehors, je les entends crier et pleurer. Cet enfer est mon seul héritage. La punition de Dieu pour mes erreurs. Impossible d'échapper à mon destin. La mort m'attend maintenant. Jefferson Bragg. Ouais, j'avoue qu'avec son fusil à pompe, il se sent méga chaud. Bon, en même temps, ils ont voulu jouer à Dieu, hein. Vous savez ce qu'on dit, hein. Je le dirai pas parce que vous le savez, mais... Allez, on va voir le loup, les gars. Eh, vous savez ce que j'ai envie de faire? Je vous jure, c'est vrai. Vous vous souvenez, les gars, le jeu Poule, Renard, Vipère? On jouait souvent en centre aéré à ça ou dans une forêt. C'était pas trop bien. Ah, derrière, il y avait une ombre. Ok. Dites-moi quand il y a un Michael Stotem. On va aller check là-haut. Attends. Mais non, mais on va pas tirer dans une boîte, wesh. Mais oui, c'est débile. Au sol, point faible. Cours, le loup. C'est quoi le plus opti, les gars? Je veux pas louper de totem encore une fois. Plus opti, tout droit, gauche. Moi, je veux juste pas louper de preuve, les gars. Je veux vraiment qu'on le fasse propre. Gauche? Ok. Non, 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 c'est pas une bonne idée de regarder là. Bah oui, bibiche. Hop, tiens, dans ta gueule. Voilà, coup de manche. C'est bon, on est en sécurité maintenant. Bon chien, chut. Ça va aller, ok. Chut. C'était quoi ça? Oh, ils sont partout, wesh. J'ai envie de rire. J'avais envie de rire. Putain. Merde.
Et en plus, on s'est enfermé avec lui, hein. Putain. Allez. Amène-toi, fils de pute. Non, faut pas faire ça. Où t'es ? Qu'est-ce que tu cherches ? Quoi ? Bah oui. Tu dis amène-toi, mais dès que t'entends un bruit, tu caca-culottes. Hein ? Putain. Mais... Quoi ? J'aurais pas dû tirer, hein. J'aurais pas dû tirer parce qu'il pouvait pas passer. Ok. Ah oui. Un par un, les gars. Ah oui. Il y en aura pour tout le monde. Non. Non, j'ai regardé le chat. Non. Non, lâche-moi. Ah, le fait d'avoir tiré, ça a enclenché ça, c'est ça ? Non ! Je regardais le chat, mais faut que j'arrête de regarder à chaque fois ! Paix ! Ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de recharger. Vas-y, je vous regarde plus le chat, je vous déteste. Ouais, ça devient colo, frère. Hasta la vista, baby. Bah! Oh, wesh. Ah, c'est l'âme du Wendigo. Les gars, la griffure dans le cou, c'est rien, hein. C'est rien. C'est la vie. Cramez les sourcils. Wendigo Santillano. Bah ouais, le loup, il est où, wesh? Ouais, il est parti devant, je le connais. On a déjà perdu un pote, là ? N'oubliez pas de me dire, hein, si jamais il y a des totems.
Les gars, on est pas mal, je crois, niveau totem, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais attendez, 7 totems, ça me paraît beaucoup. Genre là, on va trouver 7 totems sur le passage, là? En vrai? Bizarre, hein? Merde! Allez, bonhomme. Allez, saute. Ça va le faire. Allez, bibiche. Allez, bibiche. Ok, bonhomme. On se voit plus tard, alors, hein. De réagir. Je suis mort là? Non, je suis pas mort? Non, t'es pas mort. Je reroll ou pas? Ça vaut le coup de reroll? Ouais, mais les bidons, ils étaient pas rouges. Tu vois, dans tous les films, les bidons sont rouges. Il y en a qui disent oui. Reroll. Ça sert à rien. Après, moi, je... Amoul a l'air de connaître parfaitement le jeu. Hein. S'il dit que ça sert à rien, c'est que ça sert à rien. Hein. Ok. Donc, il n'y a pas besoin de reroll. Frère sûr, t'es mort. Je crois que t'es bon. Allez, on continue. On verra. Alors, oh là ! Il y a eu un truc bizarre là. Merde. Oh putain. Les Avengers. Allez, vite, on se dépêche, on doit trouver Mike. Allez. Hey, moi je commence à boiter un peu là, je pense qu'il vaut mieux que vous y alliez sans moi. Non Chris, on t'abandonne pas, on reste tous ensemble. Mike attendra un peu. Alors, bougez pas. Si je retourne derrière, je connais les petits malins qui cachent des trucs... tout au fond là. Attendez. Pourquoi faire un couloir aussi long si c'est que pour une cinématique? Tu crois me piéger? Eh bah ouais, t'as réussi, GG. Non mais Mike n'est pas mort les gars, vous inquiétez pas. J'avoue qu'on n'a pas vu de tête tranchée et tout. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ok. Par contre, je voulais tirer sur les bidons, mais ça sentait le fail. Les bidons, tu sais, ils avaient pas une tête de bidon explosif. Dans les jeux vidéo, un bidon explosif a une tête de bidon explosif, tu vois ou pas? Et là, ça avait pas une tête de bidon explosif. Donc je me suis dit, ça a pas une tête de bidon explosif, donc j'ai pas tiré, puisque c'est peut-être pas un bidon explosif. Mais en fait, c'était totalement un bidon explosif, j'aurais dû tirer, parce que ça aurait fait boum comme n'importe quel bidon explosif. Je me suis fait piéger. Par contre, y a combien de Wendigo là, frérot? Y a toute une famille là, c'est pas possible. Oh, la caméra qui est placée, mon ref. Ah, Michael's Totem. Let's go.
Josh, il va se transformer? Je me souviens pas de ça du tout. Je me souviens pas du tout de ça. Wendigo Santiago. Ok. Merde, Mike a dû fermer derrière lui. Merde, oh, c'est pas vrai, il y a forcément une autre entrée. Ok, on va fouiller. Mais si la bibiche Sam n'a pas réussi. Et là, ça. Ça, c'est quoi? Est-ce qu'on essaie? Bah, c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix, hein. Ok. Ah, les égouts. Ah la vache. Ok, ça, c'est sûrement le dernier endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Elle est où, Jess, wesh? Ah bah oui, elle était tombée. Après toi. Jess, elle était déjà morte hein, sur YouTube. Hein. Ah, c'est pas si mal. Tu crois que le tunnel mène au sanatorium? Ben, j'espère bien. Où tu veux qu'il aille? Matt, on sait toujours pas, c'est vrai. Chris, je sais que t'as mal, mais on doit bouger, ok? J'essaie, Ash. Il vaudrait mieux qu'on ferme, non? Hein? Bah oui, si quelque chose nous suivait. Oui, bon, ferme-la, mais là, on doit avancer. On se retrouve plus tard, d'accord? Ouais. Oh là, oh là. C'est la merde, ça. Là, honnêtement, je croyais un truc, hein. Je vous le dis très honnêtement. Je me suis dit un truc qui va te sauter à la gorge, fallait esquive. Bon. Niveau totem, on en est où les potes? Ok. Encore une fois, si je loupe un indice ou autre, n'hésitez pas. Ah mais là, on va rejoindre les mines, là, wesh. Quoi? Oui. Qui est là? Y'a quelqu'un? Elle va se faire passer pour Jessica. Anna. C'est toi? Mais attends. Elle s'est fait... On est d'accord que les Wendigo ont encore ce côté... Ce côté humain, non? C'est complètement dingue. Je crois que j'y suis pas allé sur YouTube, hein. Donc là, on va aller checker. Jessica, est-ce que t'es là? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Yeri? We can be back! We can stop that! Smooth criminal! Mais c'est qui tape sa tub contre le métal là? Oh les gars, invitez-moi au moins. On fasse ça à deux, une vraie musique. Oh merde. Oh non, 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 non. Non.
Oh! Je reconnais, c'est un citron pressé, ça! Yeah! Ah non, c'est Josh. Le haut, c'est Josh. N'ouvre rien. Je fais ce que je veux, mon pote. Non, je rigole. C'est bon, j'ouvre pas. Calme, calme. C'était une petite enquête. Bon, belle enquête. Ah bon sang, je suis si heureuse. Ça va aller. Regarde. Juste là. Waouh, super. L'échelle est foutue, on n'arrivera jamais là-haut. Non, 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 je crois que je peux. J'ai mes chances. C'est comme un mur d'escalade. Je vais continuer. Vous devriez rentrer au chalet. Je vais chercher Mike. Bonne chance. Ah, ok. Ah, ça y est. La fameuse roue. La fameuse roue d'eau. Quand même, hein. C'est des beaux cailloux qu'on a là, hein. Oui, voilà. Mon seul point faible. Tranquille, tranquille, on va s'arrêter. Eh, on va pas se la jouer Lara Croft, frère. En plus, j'ai des Geox. Tu l'as déjà fait. Comment ça, tu l'as déjà fait? Mais qui grimpe des murs tous les jours? Une branlée. Je t'ai mis une branlée. Ouf. Mets-moi une branlée pour voir. Alors... Le chat, vous êtes vraiment des pervers, hein. C'est terrible, hein. Je sais pas ce qu'on va faire de vous, hein. Vous allez toujours dans les mauvais sens, hein. Ah non, mais je veux pas descendre, on est où, là? C'est toi, mais comment ça, c'est moi? Ah. Ok, d'accord. Escalier ou on descend? Et les gars, escalier ou descendre? On sait. Parce qu'on est d'accord que si on descend, quand il y a écrit... Ah! Pardon. Quand il y a écrit un mot sous croix, c'est que souvent on passe à une nouvelle, tu vois? Un nouveau playjus. Bah on bat trop tard de toute façon. Non. C'est bon. Hop. Bah attends, on peut plus retourner derrière, wesh. Bon, bah j'espère qu'il n'y avait pas de Michael Stotem. Sam, faut pas que tu meurs, t'es ma chouchoute. Toi et moi, c'est à la vie. À la vie, à la mort. Ok, je reconnais, c'est une barre de fer. Avec la barre de fer, tu peux tout faire, hein. Il y avait un totem? Ah mais ouais, mais c'est maintenant que tu me le dis!
En plus, ils m'ont même pas laissé le choix. Bon, attends. Non, on n'a pas fait tout ça, les gars, pour... On n'a pas fait tout ça pour louper un totem, les gars, hein, qui était juste en face. Hein. Oh non, Amoul. Attends, attends, là, c'est mort? Là, c'est mort? Là, c'est mort, là? Ah, on va pas recommencer le chapitre, les gars. Hein. Ça fait une heure qu'on est dessus. Hein. Rate cette QTE. Attends, si je rate la QTE, on récupère le totem? Tu es sûr? Attendez, les gars. Ok, bah c'est mort, les gars. On n'aura pas le film au complet. On verra ça peut-être en extra off. Tonnerre d'applaudissements, le chat. Oh, je te déteste. Tout ça pour nous lâcher au pire moment. Faut lui en vouloir, je lui en veux énormément, sachez-le. Bon. Bon, on va faire en sorte de pas louper les autres quand même, hein. Ça serait embêtant. Ok. C'est par où? Bon, je vais aller à droite. Est-ce que tous les chemins mènent à Rome ou pas? J'ai bien fait d'aller à droite? Oh, mais ouais, mais il y a 10 000 chemins, d'où Jésus? Amoul, on passe par où là? Tout à droite, milieu ici ou tout à gauche? Oh. Qu'est-ce que c'est? Ok. À gauche d'abord. Bon bah on va tout à gauche d'abord. Bon, on recommencera le chapitre pour essayer de choper le bordel là. C'est pas grave. Quand on a fini le jeu une fois, on peut reprendre à un chapitre donné ou pas? Ouais, je pense, hein. Ils sont pas cons. Ouais, bah c'est bon, on s'en branle. Bizarre, je me fais agresser. Mais y'a rien. Putain, Amoul, tu m'as dit de prendre à gauche juste pour voir tout ça? Pour voir ce qu'on a déjà vu, bordel? J'ai loupé aucun totem là. Enfin, à part celui d'Amoul, mais. Je m'en doutais avec avec la caméra, frère. Ok.
La bosse. J'aurais pas de la guimauve. Et Sam, vrai bonhomme, hein. Une vraie sœur. Le loup, il est parti. Il est parti, vous inquiétez pas. Il est en lieu sûr, il connaissait les astuces. Tu te sens bien? Tu veux dire quoi par bien? Bah, vivante, quoi. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Cousin là-bas, Don Tilton! Bon, bah, dernier chapitre. Putain, dommage, on voit plus le psychologue. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Elle l'a probablement emmené dans la mine. Stop. Ne bouge plus. Putain de merde. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Plus vite, plus vite. Allez, allez. On bouge. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Ok. Ah, repentance. Nous n'avons plus de temps. Je vous crois.
Première fois, me semble-t-il, qu'on incarne Josh. Si je ne m'abuse, étant donné que l'année dernière, il était bourré... Non, vous n'êtes pas arrivé. On était toutes seules ici. Non, pas encore. Y a un totem ou pas ici, les potes? Ouais, il est où? Ah! Mais t'es là maintenant. Avec ta famille. Allez-vous-en! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi! Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? Je voulais pas que vous mouriez. C'est sûr. Patate dans le gosier.